Bonjour, merci à tous d'être ici. Donc, je suis François Patuel, je suis le chercheur sur l'Afrique de l'Ouest francophone au bureau régional d'Amnesty International. Et aujourd'hui, nous lançons ce rapport, Une épée au-dessus de nos têtes, répression sur les défenseurs des droits humains qui font campagne sur la lutte contre la discrimination et l'esclavage en Mauritanie. Notre constat, c'est que malgré l'abolition de l'esclavage dans les années 80, la question de l'esclavage reste une réalité en Mauritanie aujourd'hui. La question de la discrimination reste une réalité aujourd'hui. Et plutôt que de prendre acte de ces pratiques discriminatoires et de ces pratiques esclavagistes, les autorités sont dans le déni et répriment les défenseurs des droits humains qui abordent ce sujet et qui osent aller à l'encontre du discours officiel qui est que l'esclavage n'existe pas et que la discrimination raciale n'existe pas en Mauritanie. Les autorités mauritaniennes déploient une véritable machine répressive contre les défenseurs des droits humains qui passe de l'interdiction des manifestations, l'usage excessif de la force par les forces de sécurité dans le cadre de ces manifestations, l'interdiction des associations de militants anti-esclavagistes et anti-discrimination, l'arrestation, la persécution judiciaire et la torture de militants anti-esclavagistes et anti-discrimination. Et ma collègue Kiné Fatim en parlera tout à l'heure également, des véritables campagnes de dénigrement contre les défenseurs des droits humains, en particulier sur les réseaux sociaux. Pour commencer, donc il faut rappeler que l'esclavage et la discrimination raciale continuent d'exister en Mauritanie. La Mauritanie est régulièrement pointée du doigt par les organes des Nations Unies, par les organes de la Commission africaine, les organes de l'Union africaine, pardon, comme la Commission africaine. Il y aurait, selon les estimations de groupes internationaux, jusqu'à 43 000 esclaves, personnes en situation d'esclavage en Mauritanie aujourd'hui. Ça fait presque 1% de la population. D'autres estimations disent plusieurs milliers, ils restent vagues, et disent plusieurs milliers de personnes qui vivent dans une situation d'esclavage. Ça reste des chiffres beaucoup trop important dans un pays qui a aboli l'esclavage dans les années 80 et qui a criminalisé l'esclavage en 2007, en 2015 encore, et qui a élevé l'esclavage au rang de crime contre l'humanité en 2012. Ce sont des chiffres trop importants. Le fait que presque 1% de la population puisse vivre dans une situation d'esclavage, c'est absolument scandaleux. Il y a également le Comité africain pour les droits de l'enfant qui, en janvier 2018, a rendu une décision indiquant que deux enfants mauritaniens ont été maintenus dans des conditions d'esclavage pendant 11 ans. Et ça montre bien le fait que la plupart des organes internationaux en matière de droits humains dénoncent et pointent du doigt la Mauritanie sur le fait que l'esclavage est encore une réalité aujourd'hui. En plus de l'esclavage, il faut parler de la discrimination raciale. La discrimination raciale, c'est ce qui fait le terreau sur lequel les pratiques esclavagistes peuvent continuer d'exister. Il y a, par exemple, un net déficit de représentation des populations, des communautés afro-mauritaniennes ou haratines dans les positions de leadership de la Mauritanie. Selon les études qui ont été faites par des sociologues, il y aurait, par exemple, 75% des positions de leadership qui sont conservées ou qui sont depuis plusieurs années maintenues par la minorité Beïdane à l'intérieur du pays. Cette sous-représentation des communautés haratines et des communautés afro-mauritaniennes, elle est aussi le fruit de discriminations plus structurelles. Par exemple, le fait que c'est plus compliqué, et les organisations non gouvernementales mauritaniennes le dénoncent régulièrement, c'est compliqué pour les populations afro-mauritaniennes de pouvoir s'enregistrer et d'avoir des papiers mauritaniens. Maintenant, sans papiers, on ne peut pas accéder aux services essentiels qui sont délivrés par l'État, que ce soit l'éducation, que ce soit la justice, que ce soit la santé. C'est plus compliqué quand on n'a pas ses papiers, et c'est plus compliqué d'avoir ses papiers quand on est membre de la communauté afro-mauritanienne. Il y a également un problème en matière Il y a donc cette discrimination. Et ces pratiques esclavagistes sont niées par les autorités mauritaniennes. Quand on les a rencontrées, on nous dit à chaque fois, voilà, c'est un problème de pauvreté, c'est un problème, mais ce n'est pas un problème de discrimination raciale, il n'y a plus
d'esclavage en Mauritanie. Le président Aziz le dit régulièrement dans ses interviews avec les médias internationaux. Il n'y a plus d'esclavage en Mauritanie. Les personnes qui parlent de l'esclavage en Mauritanie, ce sont des marchands d'idées. Il y a cette situation de déni et il y a ce refus également catégorique de vouloir avoir des statistiques précises sur la composition ethnique de la Mauritanie et notamment de pouvoir étudier dans quelle mesure justement la pauvreté ou l'accès aux services essentiels délivrés par l'État n'est pas égal quand on vient d'une communauté ou quand on vient d'une autre communauté. Il faut pouvoir avoir accès à des statistiques qui montrent comment les différentes communautés de la Mauritanie ont accès aux services essentiels qui sont censés être délivrés par l'État. Plutôt que de reconnaître ces problèmes qui sont très importants pour la Mauritanie et qui risquent de devenir de plus en plus importants au fur et à mesure que nous avançons vers l'élection présidentielle de 2019, plutôt que de reconnaître ces problèmes, les autorités sont dans le déni et elles répriment les défenseurs des droits humains qui abordent ces questions. Elles déploient, comme je le disais tout à l'heure, une véritable machine répressive à l'encontre de ces défenseurs. La première chose qu'ils font, c'est de les empêcher de manifester et d'utiliser une force excessive et arbitraire lors de ces manifestations. Amnesty International a pu parler à 20 organisations qui ont régulièrement des manifestations qui ne sont pas autorisées par les forces de sécurité et qui ont eu des manifestations qui ont été dispersées par la force, par les forces de sécurité. Il faut savoir que la loi en Mauritanie prévoit un régime de déclaration préalable pour les manifestations, c'est-à-dire que quand un groupe veut manifester ou avoir un rassemblement pacifique, eh bien, ils sont censés normalement uniquement avoir besoin de ah, c'est le téléphone. qui sont censés avoir uniquement besoin de... Il y a un Larsen aussi. Donc d'une déclaration préalable, ils sont censés uniquement avoir besoin d'informer les autorités locales, donc l'équivalent d'un préfet, et les autorités sont censées prendre acte de cette notification et laisser manifester. Pourtant, ce qu'on s'aperçoit dans la pratique, c'est que des groupes vont notifier les autorités de leur volonté de manifester, et la veille, par exemple, de la manifestation, ils reçoivent un appel téléphonique de quelqu'un au niveau de la préfecture qui leur dit « Votre manifestation n'a pas été autorisée, on vous prie de sursoir à votre plan d'organiser cette manifestation, sinon vous serez dispersé par les forces de sécurité. » Il n'y a aucune décision écrite qui est donnée dans la plupart des cas. Il n'y a aucune motivation non plus qui est donnée, aucun motif qui est donné pour le refus de donner à ces organisations d'organiser des manifestations. Pourtant, manifester de manière pacifique, c'est un droit, c'est pas un privilège, c'est quelque chose que les autorités devraient protéger. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est qu'elles répriment les manifestants, notamment quand ils manifestent pour dénoncer la question de la discrimination raciale ou de l'esclavage en Mauritanie. Il y a également la question des arrestations arbitraires et de l'usage excessif de la force dans le cadre de ces manifestations. Il y a des douzaines de personnes qui sont à chaque fois tabassées par les forces de sécurité, qui sont déployées sur le site des manifestations, puisqu'elles sont généralement notifiées aux autorités, donc les autorités savent quand il va y avoir des manifestations. Et il y a des forces de sécurité qui sont postées sur les lieux de la manifestation et qui répriment ces manifestations, notamment en utilisant des gaz lacrymogènes, mais aussi des matraques. Et il y a un mauvais usage qui est fait déjà de la force, un usage excessif qui est fait de la force, mais on a pu constater par exemple des fractures quand on s'est rendu sur le terrain, lors de nos missions, on a pu constater que les militants anti-esclavagistes et qui luttent contre la discrimination, eh bien, quand ils manifestent, on les tabasse jusqu'au point où ils ont des fractures, notamment au niveau des bras, ils ont des bleus au niveau du cou et au niveau du dos, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas un usage normal des moyens de lutte contre de moyens de préserver l'ordre public. Pour vous donner un exemple, en avril 2017, il y a eu une marche de jeunes qui était composée de différentes organisations de toutes les communautés ethniques de la Mauritanie, qui a organisé une grande manifestation, une grande marche à Nouakchott
pour dénoncer la marginalisation des jeunes et des jeunes de tout bord ethnique en Mauritanie, pour dénoncer le chômage, pour dénoncer la marginalisation des jeunes sur le plan politique également. Eh bien, cette manifestation a été sévèrement réprimée. Il y a eu des douzaines de blessés, des femmes également qui étaient présentes lors de la manifestation ont été blessées. On a pu constater, par exemple, les blessures qu'elles ont subies lors de ces manifestations. Il y a eu des arrestations, il y a eu 26 personnes qui ont été arrêtées lors de cette manifestation pacifique. Ce n'était pas une manifestation violente, c'était une manifestation, une marche pacifique de la jeunesse à Nouakchott. Et bien pourtant, il y a eu 26 arrestations. Il y a une personne qui a été condamnée, par exemple, pour trouble à l'ordre public et organisation d'un rassemblement non autorisé. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est les collectifs des veuves et des orphelins des victimes du passif humanitaire en Mauritanie. On se souvient de l'épisode douloureux du passif humanitaire en Mauritanie, où il y a eu des violations de masse commises contre la communauté afro-mauritanienne à la fin des années 80 et au début des années 90. Eh bien, il y a encore des veuves, des orphelins qui demandent justice pour les proches qu'ils ont eus, qui sont décédés, qui ont été tués lors du passif humanitaire. Eh bien, ces collectifs organisent tous les ans une démarche pour dénoncer l'impunité qui existe encore en Mauritanie aujourd'hui, pour dénoncer le fait qu'ils n'ont toujours pas obtenu justice. Et en novembre 2017, il y a eu des collectifs qui ont déployé par exemple des banderoles à Kaidi. Ils déployaient des banderoles et ils distribuaient des tracts lors de l'anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie à Kaidi. Ils déployaient des tracts, ils déployaient des banderoles pour dénoncer cette situation d'impunité. Eh bien, ils ont été frappés par des éléments du BACEP, le bataillon qui assure la sécurité du présidentiel. Ils ont été frappés. Plusieurs d'entre eux ont dû avoir des soins médicaux. Et il y a eu 15 personnes qui ont été arrêtées. 5 d'entre eux sont restés plus de 6 jours en détention uniquement pour avoir manifesté de manière pacifique pour la justice en Mauritanie. En plus de cette interdiction des manifestations et de cet usage de la force qui est régulièrement fait contre les manifestants pacifiques, il y a une interdiction des associations qui militent contre l'esclavage et la discrimination en Mauritanie. Il y a Amnesty International a recensé plus de 43 associations qui ont fait des demandes d'enregistrement, par exemple, aux autorités pour pouvoir exercer de manière légale en Mauritanie. 43 associations qui n'ont jamais reçu de réponse de la part des autorités mauritaniennes. Et il faut savoir qu'en droit, en Mauritanie, pour pouvoir exercer de manière légale, une association doit demander une autorisation. Ce n'est pas un régime de déclaration préalable, c'est un régime d'autorisation.